C'est comme ça, on comprend jamais des trucs. Ouais, je crois. Hey. Ah, tu vas te couler, mais tu vas te couler. C'est très très bon. En ce moment, on est en mode Dem Sahara, ho, Dem Sahara. Sahara joyeuse. Si tu veux. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Coupe la ça musique. Va, coupe la musique, ça va et toi? Il est temps de lancer notre numéro. Je vais comme quoi en paniquer. Comment ça n'est pas paniqué? Je gère le temps. Aujourd'hui, 30 minutes, pas plus. Efficacité. Pour des raisons techniques. Au moins le compteur. Nous avons quelqu'un aujourd'hui en régie qui va s'occuper de notre tété. Oui, Pat Le Gun est là. Ah, où je mets Pat Le Gun? Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup. C'était le numéro de 2K. Avec l'invité qu'on n'a pas eu le temps de présenter. Bon, Pat Le Gun, alors, juste pour info, avant de laisser la parole à notre super invité qui est avec nous aujourd'hui, encore une fois, avec un invité génial qui nous vient de loin et qui est là, c'est génial. Invité, chauffe la caméra, t'as qu'au Karim Rahmet Labidek. Bonjour Nora. Bonjour Karim. C'est à moi qu'elle parle. Non, c'est à moi. Bonjour les deux Karim, pas de jaloux. Bonjour Nora, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce numéro spécial de 2K Airy, nous allons parler de toi et d'Open Innovation. Karim, un petit mot à dire. C'est bizarre, t'es silencieux aujourd'hui, non, qu'est-ce qui se passe? T'es pas enfant? On est dans le compteur. Elle est dans le compteur, nous avons le compteur humain. Albi, on a sur le bac d'élèves, on a sur le bac d'élèves, on a sur le bac d'élèves, on a sur le bac d'élèves. Nora, d'où tu viens? D'où tu viens? On va laisser gérer avec son chrono. D'où tu viens, Nora? D'où je viens aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Je viens juste d'Ibrahim, pas très loin. Je viens d'Alger, je viens de Paris. Plus exactement, oui. Exactement, je viens de Paris. Où tu vis, à Paris. Où je vis, à Paris. J'ai ma vie privée et professionnelle à Paris, exactement. Voilà, et depuis longtemps? Depuis plus d'une quinzaine d'années, moi, je pose des questions, je suis... Très intime. Bagué, là, mais c'est bagué. Bagué. M'a dit. Bon, on va faire vite. Je viens de Paris, j'ai deux garçons que j'adore. Et je suis avec deux garçons, les deux Karim. C'est vrai. Ils sont très marrants. C'est pas vrai. Pas du tout. Et voilà. Ouais, mais je suis jaloux, moi, particulièrement aujourd'hui, parce que je sais que tu as fait Polytech. Tu es une polytechnicienne. Et comme d'habitude. Et voilà, Karim qui va nous faire le son chauvinisme. Comme d'habitude. Avec une petite différence par rapport à Karim. J'ai fait génie industriel. Et c'est à peu près polytechnicien. Non, c'est l'inverse, Karim. On va pas faire de débat ici. Si, école polytechnique. Technique. À peu près école d'ingénieur. Industriel, l'industrie, c'est de l'ingénierie, principalement. Alors, comment ça s'appelait votre spécialité? Comment ça s'appelle l'ingénieur industriel? Statistique et... Non, je ne me rappelle pas. Je kiffe, je porte. Tellement, on a qu'à demander. Comme il faut que vous me disiez tout. Bon, je suis désolé, ce n'est pas le sujet. Permettez-moi de recadrer un petit peu l'économie, la chose. C'est de l'économie. En gros, vous venez tous les deux de la même université. École, pardon. Et la prochaine fois, ce sera mon tour de ramener quelqu'un de mon école. Dibna déjà quelqu'un. Non, je choisirai. T'as du tout. On salue Nessima. Voilà. Et alors, polytechnicienne qui est partie s'installer à l'étranger, tu as été tout de suite intégrée une grosse entreprise. Vas-y, raconte-nous. On a quelques minutes pour parler un petit peu de ton parcours, pour révéler un petit peu. D'accord. Bon, et en fait, après Polytechnique, je n'ai pas été directement en France ni pour intégrer une autre école. J'ai été travailler à Hassim Saoud. Mm-hmm. Donc, comme un ingénieur respectable, j'étais là où il y avait des challenges. Donc, j'ai été sur une base pétrolière. J'avais fait des stages à In Amenas avant. Et donc, je voulais aller avoir des challenges différents, travailler dans un environnement plutôt hostile aux femmes, il faut le dire. Ouais, ça plutôt, a évolué plutôt. Peut-être depuis, mais à pas l'époque. Mais aussi un environnement d'ingénierie. Avec, j'ai travaillé sur des problématiques de forage à l'époque. Donc, ce qui était une expérience assez riche, assez formatrice, sur le plan humain énormément, y compris sur le plan d'ingénierie. Et après, j'ai eu une opportunité pour aller en France, continuer mes études. Donc, je l'ai fait entre l'IAE de Lyon et puis l'INSEAD.
Ouais. J'ai fait un diplôme qui m'a permis d'intégrer... J'ai fait du consulting dans le domaine financier. Donc, j'ai fait quelques années du consulting dans d'autres pays qu'en France, à Genève, en Suisse, en Italie, pour après me retrouver dans un grand groupe très pollueur à l'époque, qui travaillait sur le gaz et le pétrole, Gaz de France, qui est devenu aujourd'hui Engie. Pour me retrouver aujourd'hui, de travailler sur d'autres sujets d'innovation, mais travailler principalement sur des sujets d'énergie renouvelable aussi. Voilà un peu rapidement mon parcours. Karim, vas-y, fais-nous un commentaire. Parce que je sais que tu as envie de nous parler de tout ça et que tu te retiens aujourd'hui. Pourquoi tu te retiens aujourd'hui? Ah, déjà, lâche, mal, libère la bête qui est en toi. Non. Déjà, on va chercher les mécanismes. Non. Parce qu'en fait, je laisse, pour une fois, je veux laisser l'invité parler. Parce que Khalil Bezaf qui est l'invité. Non, mais en fait, ça devrait être un sujet à part entière, le sujet des femmes qui travaillent dans l'industrie en Algérie. L'école polytechnique, il n'y avait pas beaucoup de femmes, déjà. Ça a changé, ça a énormément changé quand je vois les jeunes. Et donc, du coup, c'est des ingénieurs qui sont forcément retrouvés, certaines d'entre elles, dans un milieu industriel. Alors déjà, sur la planète, ce n'est pas évident. Hein, c'est généralement des milieux assez masculins. Mais en plus, en Algérie, ouf, Sahara, comment t'expliquer? Je salue Marim Bouhadouda qui pourrait venir nous raconter... des histoires un peu sympathiques, qui est telle une polytechnicienne artiste peintre, donc c'est un autre délire intéressant. Voilà, mais je vais pas poser la question au domaine Nora, puisqu'elle a parlé d'énergie et de pollution, et en ce moment j'ai un délire Anna sur les véhicules GPL, mais je pense que on pourra peut-être en parler si ma petite nage bzaf. Mais un film au fait qui m'a calt Nora, en fait Nora, aujourd'hui tu fais quoi professionnellement? Donc aujourd'hui, je travaille chez Engie, qui est un groupe pétrolier à la base, mais qui est devenu un groupe énergéticien dans le renouvelable, qui s'est retrouvé face à une transition énergétique qui lui demande de s'innover et complètement changer. Se réinventer, en gros. Se réinventer, exactement. Nora, quand tu dis une transition énergétique, tu veux dire quoi par une transition énergétique? Transition énergétique, c'est poser aujourd'hui, en fait, pour utiliser l'électricité, on va utiliser le gaz, on va utiliser le nucléaire pour produire cette électricité, on va utiliser le pétrole, on va utiliser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il faut, pour sauver notre planète et pour impacter moins notre planète, il faut aller vers une énergie qui utilise des ressources naturelles, qui sont le soleil, le vent, et donc la transition énergétique, ça veut dire comment produire cette énergie dont on a besoin, énergie électrique et autres dont on a besoin, mais avec des ressources naturelles. C'est ça, la transition durable, énergétique, durable. Exactement, ouais, qui protège notre planète. Parce que le gaz, c'est une ressource naturelle, mais... Le gaz, c'est une ressource naturelle. Il y a un grand débat sur le gaz. Il y a le biogaz qui, à travers les déchets, si on arrive à trouver, à produire du biogaz, mettre sur les réseaux, ça peut impacter moins la planète que d'autres ressources, comme notamment le charbon ou le pétrole. Donc, il peut être green d'une certaine manière. C'est ma grosso modo. Et ma femme, Nora, elle traite de tuer l'économie algérienne. C'est Nora et la personne à abattre. Merci, Karim. D'une certaine manière, tous ceux qui ne se réinventeront pas, qui sont dans l'énergie, qui sont réels, sont appelés à mourir. Mais c'est vrai. Hein. Alors, je ne sais pas si vous travaillez, sûrement vous devez en parler. Donc dans un futur, quand on dit un futur proche, mais allez, à quel moment on pense que l'énergie, les énergies issues du fossile, ça va disparaître? En fait, il y a beaucoup de statistiques. Hein. Il y a des grands organismes. Il y a l'Agence internationale des énergies qui donne des deadlines. Hein. 2030, 2050 sont deux échéances très importantes. On va probablement en 2030, on va avoir plus de gaz que pétrole en termes d'usage. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie. C'est une bonne nouvelle pour l'Algérie si l'Algérie arrive à diversifier les autres énergies renouvelables, parce que l'Algérie, elle est face à un grand défi. On consomme de plus en plus d'énergie. Notre seule énergie aujourd'hui, c'est le gaz. On veut l'exporter. C'est aussi une source d'argent pour l'Algérie. L'Algérie doit se diversifier sur d'autres ressources renouvelables. Le biogaz, hein, moi, je suis convaincue que l'Algérie a un rôle à jouer là-dessus. Et parce qu'on doit se diversifier dans ces rôles-là, l'Algérie peut jouer un grand rôle.
si elle arrive à diversifier d'autres ressources. Pour moi, c'est... Voilà. Grosso modo, consommer en local par d'autres ressources et exporter notre gaz continuer à exporter jusqu'à 2030, 2050. Quoi. Complètement, complètement. Ouais. Mais du coup, comment on fait dans des groupes aussi gros, parce que je suppose que ce sont des organisations complexes, hein, comment oui, on fait pour travailler à sur des projets d'innovation où on nous demande de nous réinventer, finalement? C'est assez particulier, oui. Cette problématique. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que... la méthode, comment on fait aujourd'hui pour aborder, quand on est une grosse société, on va dire Sonatrach, Sonelgaz, si on doit citer nos entreprises à nous, comment on se fait pour se mettre à réfléchir à notre futur ou à la transformation qu'on doit accomplir, sans pour autant arrêter tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que l'exploitation, le day-to-day, bah, il persiste, il faut vivre, il faut continuer. Alors Nora, comment ça se passe? Nora, dis-nous tout, comment ça se passe? C'est une très 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 bonne, excellente question qui est face à tous les groupes, y compris Sonatrach et Sonalgaz, hein, c'est aussi une conviction pour moi. Je pense que, et peut-être ce qui nous amène aujourd'hui... ce qui nous a aussi fait rencontrer, on a voulu faire cette émission. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de l'open innovation. Tu as vu la transition? Elle est excellente, Karine, merci. Hein, Karine, tu as vu la transition? Exactement. Donc, c'est quoi l'open innovation? En fait, les grands groupes, quand ils veulent se réinventer, c'est une grosse machine, Sonatrach, si elle veut se réinventer, quand on voit le nombre d'employés, les process, c'est compliqué. À côté de ça, il y a des startups qui se créent du jour au lendemain, qui innovent, qui ont l'agilité que n'a pas un grand groupe. Comment un grand groupe peut profiter de cette agilité des startups? C'est en s'investissant dans l'open innovation. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet de l'open innovation qui nous en fait, fait qu'on est regroupés aujourd'hui ici chez 2KROI, c'est une question que je pose assez souvent et sur laquelle on n'est pas tous d'accord. Mais en quelques mots, si tu devrais d'abord définir l'innovation pour toi, qu'est-ce que c'est l'innovation au final? Alors, il n'y a pas de piège, chaque loin doit donner une définition, parce qu'on m'a également une famine. Mais avant de parler d'open innovation, donc, qu'est-ce que c'est l'innovation pour toi? Ou dans ce contexte, peut-être? Anna, je pense qu'il n'y a pas de définition unique, tu as complètement raison. Et d'expérience, je pense que l'innovation, c'est quand on arrive à faire avancer un sujet d'une manière différente, qui sort de l'ordinaire, qui sort du standard. C'est une innovation. Voilà, c'est tout. Et est-ce que, par exemple, chez Engie, vous avez quelque part une sorte de politique sur l'innovation ou un guideline ou quelque chose qui définit comment ça se passe ou... On en a plein. Ouais. Mais en fait, l'innovation, c'est aussi la créativité. Donc, plus on définit, plus ça sort, plus on en découvre d'autres. Donc, pour moi, il n'y a pas de politique innovation. Il y a une politique d'open innovation. Ouais. On parlera tout à l'heure. Mais l'innovation, en fait, aujourd'hui, partout, Engie, c'est 70 pays, 150 000 collaborateurs. Entre autres, l'Algérie. Entre autres, l'Algérie, ouais. Le Maroc, enfin, entre autres, ouais. L'Afrique, qui est un pôle très important. Et en fait, l'innovation, c'est très lié à l'humain. C'est vous qui créez, c'est la personne qui crée. Donc, on ne peut pas avoir une politique au sein d'un groupe pour l'innovation. On va prendre tout ce qui arrive. Par contre, on peut la motiver managérialement, on veut la faciliter, on peut faire un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de politique autant que telle. Alors, la question claire, qu'est-ce que l'open innovation au final? L'open innovation, c'est quand un grand groupe ou une PME, hein, une entreprise qui a ses process, qui avance très bien, travaille avec son écosystème externe et interne, donc avec ses salariés, mais avec des startups externes, avec des centres de recherche, avec l'État, avec des experts externes, pour recréer un nouveau produit, pour adapter un process, pour améliorer la productivité de l'entreprise, pour recréer des nouveaux produits. C'est ça l'open innovation. En gros, c'est simplement quand c'est quand l'entreprise décide de s'ouvrir à l'extérieur pour traiter de problématiques interne, enfin liée à son secteur, à son entreprise, mais elle s'ouvre à l'extérieur. Elle recherche de l'intelligence à l'extérieur de l'entreprise. Elle travaille sur l'intelligence collective. Quand je dis à l'extérieur, j'entends complètement la collectivité. C'est-à-dire il n'est pas nécessaire que tu fasses partie de l'entreprise pour nous aider à travailler sur une problématique liée à notre entreprise. Et ça peut prendre plusieurs formes. L'étudiant, l'université, l'expert, la start-up qui est structurée ou qui étudie une problématique particulière qui m'intéresse. Exactement. Et du coup, l'open innovation, c'est d'abord open. Exactement. C'est d'abord open mind. Exactement. Open l'entreprise. Juste pour dire, alors, on n'est pas très souvent pas très d'accord, mais là, je ne suis pas très, très, très d'accord. J'adore quand on n'est pas très d'accord. Moi, pour moi, c'est un moment important.
On n'est pas d'accord. Alors, du coup, en fait, il est très important de remettre dans le contexte une autre problématique quand on parle d'innovation, c'est que généralement, surtout les grands groupes, hein, donc quand on parle d'un grand groupe, généralement, il y a des filiales, il y a des business units, donc c'est toute une zoologie d'entités qui gravitent, mais surtout de salariés, donc de cerveau, donc de créativité. Généralement, l'entreprise, elle vit les problématiques au jour le jour. Donc, elle les vit dans sa chair, dans sa peau, dans son chiffre d'affaires, dans ses dépenses. Donc, elle semble très, très bien avec les problèmes. Et à partir de là, forcément, les collaborateurs d'un groupe ou d'une société, donc, ils sont amenés à réfléchir à des solutions. Donc, les solutions, généralement, et les plus viables, je dirais même, voient le jour au sein même de l'entreprise. Donc, quand on parle d'open innovation, on a l'impression juste de parler de l'extérieur. Non, il y a ce côté interne de l'entreprise où de facto l'entreprise a des salariés qui vont, des salariés pardon, ou des collaborateurs qui vont produire cette intelligence. Après, juste que il est très connu que les entreprises ont une maladie, qui est, ils sont enfanticides à la créativité en intra-entreprise. C'est-à-dire que quand on a des idées, généralement, donc, bah, vous voulez les réaliser, bah, on se tourne vers le management donc, dans l'entreprise pour proposer une solution, une idée, on est des ideation phase. Hein, et à partir de là, forcément, l'entreprise, elle doit dire go, no go, hein, comme tout acte où tu dois mettre de l'argent sur la table. Et là, c'est là où l'entreprise elle a peur parce qu'elle ne veut pas se lancer dans de nouvelles choses. Et c'est là, comme disait Nora, où elle n'a pas cette agilité d'une start-up qui est en train de chercher son business model, sa méthodologie, qui change au fil du jour des problématiques qui sont en train d'être résolues par la team en elle-même. Donc, l'open innovation doit impérativement faire ce lien entre ce qui est en train d'être produit comme créativité dans l'entreprise et lui donner une place. C'est pour ça qu'on a des innovation factories, des digital factories qui apparaissent dans les entreprises et qui soient déversées ou co-construites avec un écosystème externe qui permettrait in fine d'avoir cette notion de dynamique d'innovation. Et pour terminer, je rappelle aussi encore une fois que, comme elle a introduit Nora, et comme tu le disais la dernière fois en terminant, je crois, avec Amal ou je ne sais plus à qui, où tu disais, on m'avait demandé qu'est-ce qui favorise l'innovation, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est la concurrence, puisque l'innovation est une stratégie de différenciation. L'innovation en soi n'est pas une stratégie, c'est l'innovation qui est un outil de différenciation et de continuité, de durabilité dans le temps. Alors, bien évidemment, l'innovation, c'est très cher, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Si ce n'est juste, alors, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais je ne sais pas, on va essayer d'en parler avec Nora tout à l'heure et je vais me taire. C'est le coût de l'innovation. Parce qu'en fait, quand on parle du coût de l'innovation, on a l'impression de penser juste au coût de l'innovation, de son développement en soi. Mais il y a un autre coût caché que j'aime beaucoup. C'est quand une entreprise se met à faire de l'innovation, qu'elle fédère ses équipes, que les équipes se fédèrent réellement, qu'elle crée la dynamique, elle arrive à le faire, elle décloisonne, etc. Ça se passe bien, etc. Et à un moment donné, il y a des idées. Oui, l'entreprise, elle ne veut pas avoir paraître ses idées parce que peut-être il y a des considérations stratégiques ou business ou blablabla. Et bien, il y a le coût. Ben, ça doit être l'innovation de la créativité et absolument idéal avec l'idée. Parce que ça reste des collaborateurs. Donc aujourd'hui, c'est très coûteux. Donc il y a certaines entreprises qui te payent une sorte de prime pour te dire bon, ok, bravo, c'était très très bien, donc il y a que tu pas taille, ou pas de travail, et ça, c'est bzaf les entreprises, ils ne savent pas le hadia, c'est l'attachement que la personne a sur son idée. Et c'est pour ça que dans design thinking, on en avait parlé, on dit très souvent, il ne faut pas tomber amoureux de ses idées. Mais quand tu inities dans une entreprise une dynamique d'innovation, et de créativité, il y a le risque que les collaborateurs soient amoureux des idées qu'ils sont en train de développer. Et après, le coup tu lui brises son cœur, quoi, tu vois, le chagrin de l'innovation, il a un coût, il faudra le prendre en charge. Bon, bref, c'était une aparté sur le sujet. Alors, je redonne la parole à Madame Nora Guémard. Je pense que tous les deux, vous avez raison. Je pense que... les deux, je vais donner quelques mots. Que j'ai vécu et que je vis toujours le jour le jour. En fait, je suis en charge d'accélération des business en innovation chez Engie. Du coup, je travaille beaucoup sur l'open innovation, mais je travaille beaucoup sur l'intrapreneuriat. Donc, l'intrapreneuriat, c'est quoi ? C'est quand un salarié a une idée et qu'on pense au sein d'un groupe que
c'est viable pour le business. Donc, on va mettre à disposition une équipe et on va proposer à ce salarié de prendre le risque de se mettre en intrapreneuriat, ça veut dire de mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle dans le groupe. Et du coup, on va l'accompagner, mais on va lui demander aussi de prendre des risques qu'une start-up prend quand elle développe son business. Et du coup, pour moi, c'est les deux. Et pour c'est aussi appelé l'essaimage. Exactement, l'essaimage, exactement. C'est aussi appelé l'essaimage complètement. Et ça peut amener à faire, vous savez quoi ? Ça peut amener à faire ce qu'on appelle l'excubation. Et donc, l'excubation, c'est quoi ? Et donc, c'est pas Excalibur, mais... mais c'est très intéressant parce que l'incubation, on en parle tous. Aujourd'hui, on a des incubateurs en Algérie, on a un peu partout dans le monde. Tout le monde veut être incubé, une start-up. Elle facilite son développement à travers une incubation. Allez. Un grand groupe. Alors, on le fait. Nora Guémard, première, regarde ta caméra. Qu'est-ce que l'excubation ? Bah, l'excubation, c'est quand on a une idée business qui est arrivée à partir d'un salarié. On pense que c'est une très bonne idée, que ça a de la valeur pour le groupe, mais ce n'est pas le core business de l'entreprise. Et donc, on le vire. Et non, pas du tout. Donc, on va créer une entreprise externe qui peut devenir une filiale, mais minoritaire. Donc, on va aider à trouver d'autres investisseurs, y compris le salarié, à être dans le capital. Et on va le mettre à l'extérieur pour essayer de développer... pour lui permettre de développer ce business. Et on va l'aider en l'aidant à trouver la bonne équipe, mais on va le considérer, on va le gérer comme une entreprise dans laquelle on a investi. Donc ça s'appelle de l'excubation. Ça permet, ce que disait Karim, quand un salarié il a une très bonne idée, on pense qu'elle est excellente, on l'a testée, mais parfois c'est malheureux, mais c'est le cas, c'est pas le business du groupe. Et du coup, on n'a pas envie de passer du temps et des énergies là-dessus. L'excubation peut être une réponse à ce type de problématique. C'était Nora Guémard. Qu'est-ce que l'excubation ? Thank you very much. Continuons. Continuons, exactement. En fait, je viens de comprendre la mécanique de Karim avec ta définition de l'excubation. Hein, et on va s'en servir comme une capsule individuelle. On va sortir cette définition et la mettre à disposition de notre public. Alors, comme Nora, c'est une polytechnicienne comme moi. On a Ebad Mahdin, super beau gosse, intelligent. Rappelez-vous, regardez-moi. Choufouna Zin. Choufouna Zin, Zin, Zin. T'as monsieur Karim Brouy. Je ne cesserai de lire, de m'exalter de tous les commentaires que nous recevons sur les réseaux. Mashallah, kala Karim Brouy. Mashallah, la Karim Brouy. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Revenons sur notre sujet. Alors, pourquoi je dis ça ? Non, je déconne, mais je suis sérieux, comme d'habitude. Nora a fait des slides qu'elle va nous présenter, puisqu'on est des gens très très sérieux. Donc, je mets les slides à l'écran. Voilà. Les slides. En fait, on va passer rapidement. Ah, c'est encore technologie de ouf. Je vais mettre Nora. Alors, elle est où, Nora ? Ça, c'est moi. Alors, là, je suis au fond de la à gauche. Parce que je ne sais pas à chaque fois, le Nora, la présentation. Mais dès qu'on a les vidéos, je suis à toile. Alors en fait, même tu l'as bien, alors Zidou, la vitesse à la vidéo, je te donne de profiter. Alors Nora, vas-y, le champ est à toi. En fait, je ne vais pas vous ennuyer, c'est parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur ce que c'est l'innovation. Peut-être un seul point à ajouter, c'est que jusqu'aujourd'hui, les entreprises investissaient énormément sur la recherche et développement. Ben, l'innovation, c'est un complément de la recherche et développement. Complètement. Moi, j'ai des business, par exemple, sur tout ce qui est énergie renouvelable. J'ai des business qui ont été développés par des chercheurs dans le laboratoire d'Engie Recherche et Développement, des chercheurs PhD, tout ce qu'on veut. Par contre, eux, ils ne savent pas développer le business. Et du coup, on les récupère au sein de la direction innovation pour essayer de les mettre sur le business. Vous faites ce qu'on appelle du research to innovation. Exactement, voilà. Donc, c'est la R&D. Aujourd'hui, c'est plus l'open innovation. Et aujourd'hui, si on veut être agile en Algérie comme ailleurs, on est obligé de faire de l'open innovation. Autre chose qu'a dit tout à l'heure Karim pour la partie salariée, l'open innovation, quand on fait de l'open innovation dans un grand groupe, c'est aussi une manière d'attirer les meilleurs talents. Et donc... attirer les meilleurs talents, ça veut dire que si quelqu'un qui a monté sa start-up et ça n'a pas marché ou il l'a vendu et après il veut intégrer un grand groupe, c'est une ressource très rare. Exact. Il est leader coup, s'il vient dans un laboratoire d'innovation d'un grand groupe, c'est une valeur ajoutée. J'espère que les jeunes nous entendent parce que je le dis très souvent, alors entre autres aux jeunes polytechniciens qui terminent Polytech, en disant les jeunes, n'ayez pas peur de vous lancer pendant deux premières années dans une aventure entrepreneuriale parce
que même si ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais si vous l'avez fait avec beaucoup d'énergie et de passion, ça va se voir et ça vaut toutes les expériences que vous pouvez développer en 2 ans dans n'importe quelle autre entreprise. Exactement. Voilà, je te redonne la parole et donc Open Innovation. D'accord, donc je vais aller rapidement parce qu'on a déjà parlé beaucoup d'Open Innovation. Donc ce slide, c'était pour expliquer que c'est un lien entre les grands groupes et les startups et que chacun trouve son compte. C'est très, très important pour les startups et c'est encore plus important aussi. Aujourd'hui, en Algérie, on voit qu'il y a des initiatives privées, publiques. Il faut vraiment que les grands groupes aillent vers l'open innovation. Ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que tout le monde y gagnerait. Les startups, nos jeunes, mais aussi les entreprises, elles ont besoin d'optimiser les process, elles ont besoin de créer des nouveaux produits. Donc ça, c'était pour expliquer ça. Ça, c'était pour expliquer pour les grands groupes, hein, mais on le sait, ça réduit les coûts, ça améliore la productivité, ça apporte énormément de choses. Les startups ont beaucoup de choses à apporter aux entreprises à travers l'open innovation qu'une entreprise pourrait mettre en place. Ce n'est pas de la concurrence. Après, en fait, c'est là où je voulais en venir beaucoup plus rapidement, c'était de donner des exemples plus concrets. Peugeot Citroën, pour développer son entreprise, enfin sa voiture électrique, bien entendu, il a des équipes R&D internes. Bien entendu, il y a des technologies internes. Mais vous imaginez une voiture autonome ou une voiture électrique, elle a besoin de batterie, c'est pas son métier. Elle a besoin de connecter avec l'Android, c'est pas son métier. Elle a besoin d'un certain nombre de choses. Il peut pas se baser juste sur Huawei ou sur les autres grands groupes. Il crée tout un écosystème de start-up autour de lui. Et c'est utile pour tout le monde. C'est utile pour l'entreprise, mais c'est aussi utile pour ses start-up parce qu'elles ont un premier client. Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'économie d'un pays, c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour les startups, pour tout le monde. Ça, c'est un exemple très concret. Après, j'ai listé un certain nombre de politiques d'open innovation par les grands groupes. Je peux parler d'Engie, mais c'est exactement la même chose. Donc, il y a 3 façons de faire l'open innovation. La première, créer un fonds d'investissement qui va prendre des parts minoritaires dans les startups qui intéressent le business de l'entreprise. Par exemple, on pourrait imaginer que Sonatrach, Sonalgaz, puisse avoir un fonds dédié aux startups et dans lequel elle va investir sur une startup qui travaille sur le biogaz, sur le biométhane. On pourrait imaginer ça, ça serait génial. Donc ça, c'est un premier, et c'est juste une part minoritaire, ça n'engagerait en rien l'entreprise, mais ça permet à la startup de se développer. Donc, complètement. Donc le fonds d'investissement, donc beaucoup, Orange l'a fait pour ses technologies, Free l'a fait, qui est un autre opérateur télécom en France, Total le fait. Il investit énormément en Afrique à travers son fonds d'innovation dans des startups qui développent des solutions innovantes. Ça, c'est le premier levier, mais qui engage très peu le grand groupe. Parce que finalement, c'est de l'argent qu'on va mettre, mais c'est très minoritaire par rapport au business du groupe. Après, il y a une autre façon, c'est de développer des labs, des incubateurs, des lab factories, mais des incubateurs ouverts aux startups externes, dans lesquels on va avoir nos salariés. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Karim, ça va créer de l'intelligence collective. Et ça, c'est très important pour une entreprise. On ne peut pas tous... Aujourd'hui, on ne peut pas vivre cloîtré, enfermé sur lui-même. On est obligé de vivre dans un écosystème ouvert. Et donc, ces incubateurs, ces Digital Factory... j'aime pas utiliser que Digital Factory, Karim. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'innovation, c'est aussi business. Elle n'est pas liée qu'au numérique. Elle est vraiment liée le biométhane. Tu le sais très bien, tu as travaillé, Karim, sur des problématiques de gestion de déchets. C'est très lié à ça. Donc, ça peut être un produit. Ce n'est pas forcément numérique. Donc, l'entreprise, en ouvrant cet écosystème, en créant ces espaces d'intelligence collective, ou en investissant, ou en aidant des incubateurs pour mettre aussi les salariés, ça crée ce mélange entre quelqu'un qui vient de l'entreprise et quelqu'un qui sort de l'école, qui monte sa start-up. C'est génial. Et le troisième volet, dans lequel investissent énormément les grands groupes, Orange l'a fait, Total l'a fait, mais EDF le fait. Enfin, en France, tout le monde le fait. Mais Huawei le fait aussi. J'ai eu l'occasion de visiter ces labs innovation en Chine. C'est énorme. Ils le font et c'est utile pour eux. Pourquoi Huawei le ferait ? Il est leader dans son domaine. On pourrait imaginer qu'il n'a pas besoin de ça, mais il le fait parce qu'il y a quand même un apport pour lui en termes business. C'est de la survie aussi. Hein. C'est exactement de la survie. Par rapport à Apple, Samsung. Exactement. T'as Motorola qui est revenu avec son ancien... Pas que sur le fait que ce soit le personnel de la survie, c'est-à-dire aller sur des politiques d'innovation. Ou de diversification. Déjà, aller sur une politique d'innovation, c'est de la survie parce qu'on doit gérer l'avenir, le changement. C'est de la stratégie. Choisir de le faire qu'avec des gens qu'on a recrutés en interne, ça veut dire qu'on va confier l'innovation à un petit groupe de personnes avec une limitation
Une limitation, forcément. Hein, ces gens-là, tu peux recruter les meilleurs du monde, ils seront 5, ils seront 10, ils seront 200, mais ce ne sera que 10 ou 200 personnes qui vont travailler sur le dossier. Dès que tu te mets à faire de l'open innovation, là, à ce niveau-là, tu commences à t'ouvrir à des milliers, voire des millions de personnes potentielles. Okay. Et en fait, tu ouvres à tous ceux qui s'intéressent à la même problématique que cette toi. Intelligence collective. Et c'est devient de l'intelligence collective pure, puisque chacun dans son coin, surtout quand les projets sont complexes, on travaille peut-être sur un petit bout de partie du projet, et toi, en tant qu'entreprise qui est partie dans cette politique d'open innovation, tu vas savoir rassembler les Lego, rassembler les différentes parties, la batterie, tu en parlais, le circuit le capteur photovoltaïque qui a un rendement supérieur sur une peu plus petite surface, etc. Et tu mets à rassembler tout ça. Le contrôleur ensuite qui va gérer le tout. Et ça peut être des parties issues de domaines de recherche ou de domaines d'innovation complètement différents qui, a priori, n'ont pas de lien. C'est-à-dire que c'est pas pensé pour être un produit complet de bout en bout. Mais toi, tu vas avoir cette intelligence ou cette innovation de te pouvoir rassembler ces différentes technologies issues de travaux de recherche, en ce qu'il s'agit de choses innovantes issues de la recherche, ou alors, et tu leur trouves un mécanique, une portée business, parce que l'entreprise, c'est pour du business, donc forcément il faut les mettre dans un marché, les structurer, développer le produit, etc. Mais c'est, tu as entièrement raison, c'est de la survie. L'innovation, c'est de l'instinct de survie. Tu ne fais pas d'innovation, tu vas mourir. Qui m'a un rôle très, très souvent, il est très important de comprendre pour les jeunes entrepreneurs, par exemple, du rôle de faire de l'innovation. L'innovation, c'est un choix stratégique, ça ne se décrète pas comme ça. Il doit y avoir son contexte et son objectif final pour décréter que l'innovation nous va, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse, voilà. Donc in fine, je reviens sur les slides, comme ça je te laisse terminer, parce que sinon on va jamais te laisser terminer. Donc ça, c'était aussi d'autres exemples. Le troisième volet d'innovation qu'on peut trouver dans les grands groupes, hein, qui est très important, c'est de l'intrapreneuriat. Donc là, on va prendre des idées business au sein du groupe et on va prendre des salariés qui ont envie de les porter, qui ont l'esprit entrepreneur, et on va essayer de les développer en interne. Mais pareil, on va monter des équipes, ils vont prendre... C'est pas de l'excubation, puisque au départ, on pense que cette idée business, elle va générer beaucoup d'argent pour l'entreprise. Ouais. Comme une start-up. Et donc ça, c'est aussi un troisième volet que les entreprises développent de plus en plus. Et je l'ai vu partout. Je l'ai vu en Allemagne. Enfin, toutes les entreprises qui ont envie de survivre, même pas de survivre, d'être leader sur son marché, elles vont le faire. Elles sont en train de le faire. Là, on a des exemples, Sanofi, Renault. On aimerait aussi qu'elles viennent aussi le faire en Algérie, parce qu'elles sont aussi, notamment pour Sanofi, présentes en Algérie. Il faut qu'elles aient leur laboratoire Sanofi, Renault, en Algérie. Alors nous, moi j'ai eu... Alors Sanofi, je les ai croisés une ou deux fois, parce que eux, comme ils participent à Vivatech, donc ils veulent prendre des startups algériennes main à main. Bon, ils le font pas très très bien, mais ils essaient de le faire. Renault, ils ont participé à quelques hackathons ici, mais ils le font pas très bien aussi. En fait, parce que quand je dis ils le font pas très bien, en fait, c'est pas inscrit dans une démarche stratégique d'open innovation. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui est dommage, c'est que généralement, Sanofi, Renault, à l'international, à la headquarter, ils ont cette politique. Quand ils déploient dans certains pays, entre autres en Algérie. Oui, complètement. Donc, bien évidemment, c'est des politiques un peu plus complexes. Mais bon, ils devraient quand même y penser. Puisqu'ils ont un rôle sur l'écosystème algérien. Voilà. Exactement. Donc, je te redonne le micro. Je pense que j'ai fini. Après, c'était Nestlé. J'ai donné des exemples. C'est des slides qu'on peut partager. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Bon, on le fera. Donc, avec les références où les personnes pourront les trouver... exactement. Donc, c'était juste pour donner des exemples concrets pour que ce soit parlant pour tout le monde. Voilà. Ah, merci, Madame Noralie Guémard. Pour avoir partagé avec nous toutes ces informations. Alors, j'aimerais ajouter un autre chose. Je pense que souvent, sur un plan statistique, l'acte d'innover n'est pas un acte individuel. Ah bah, tu viens de dire quelque chose de très important. C'est souvent ? Statistique. Statistique. Parce qu'il y a un autre problème avec l'innovation, c'est comment mesurer l'innovation. Bon, de toute façon, regarde, je pense que cette émission, Touquet et Héroïque, qu'on est en train de monter tous les deux, si chacun de nous avait décidé de la faire seul,
Elle aurait été moins bien. Elle aurait été moins bien que si on la faisait, à deux. Si on avait décidé tous les deux de la faire que tous les deux, sans recevoir d'invité, elle aurait été encore moins bien que le fait d'avoir un invité. Donc l'acte d'innover, le partage, l'échange, le challenge qu'on se fait, être pas d'accord pour moi c'est un élément important. C'est un moteur, bien sûr. C'est très très important pour l'innovation, être pas d'accord dans nos échanges, dans une discussion. On se challenge. Après il faut quand même de la méthode, il faut quand même de la rigueur scientifique aussi. Qui fâche la loi du Michel Hal Alash Hagda. Hagda n'est pas une réponse acceptable. C'est absurde qu'il m'accorde. You. On a zgaré d'alek. Et comme tu disais tout à l'heure, moi aussi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup plu à la dernière émission. C'était la citation d'Einstein qui disait: je ne suis pas plus intelligent que tous les autres. Je passe juste plus de temps à essayer de traiter des problèmes. Exactement. Et donc je suis exposé à des problèmes. Enfin, je cherche à résoudre des problèmes, peut-être plus que les gens. Et l'idée de l'open innovation, c'est aussi de se dire: je ne peux pas passer autant de temps, enfin je peux le passer, donc je suis là pour passer du temps quand je suis dans l'entreprise, mais je veux aussi utiliser ou profiter du temps que les autres sont en train de passer à essayer de traiter ce problème. Et donc ça démultiplie, c'est juste du temps de traitement démultiplié grâce à cette ouverture. Évidemment, il faut trouver une portée business, d'où le principe de prendre des parts dans le capital, parce que c'est ça le business. Pas en prendre beaucoup, parce qu'il ne faut pas que ça affecte ma bourse, il ne faut pas que j'ai à consolider. Trop risqué. Non, je suis dans une démarche d'altruisme où je prends juste un peu de parts, j'en veux pas beaucoup. Non, c'est pas ça, c'est juste parce que mon cœur de business n'est pas encore autour de cette innovation, de cette idée-là. Alors, exemple de ce que tu viens de dire, Karim. Google, quand il a décidé d'entrer en bourse, il est entré en bourse et à un moment donné, il y avait un problème sur certaines innovations qu'il faisait, notamment le thermostat. Et vous savez comment il a résolu ça? C'est exactement ce que tu viens de dire. Il a changé de nom, il est devenu Alphabet pour la bourse. Il a créé l'entité dédiée à l'innovation à part. Absolument. Dans laquelle il a mis tout ce qu'il était en train de tester, mais pour clarifier au marché que le risque, je le prends là, pas le moteur de recherche qui est très rentable à côté. Il est tout seul. Il est tout seul, donc vous pouvez continuer à me faire confiance. C'est exactement ça. C'est une question aussi de business. Exactement. Il faut être clair pour les parties prenantes, pour qu'elles voient. Alors, parce que l'innovation, c'est une répartition du risque aussi. Et il y a un autre aspect aussi. N'oublions pas, l'entrepreneur. Ben moi, je suis dans la tête, dans le guidon. J'ai 2-3 KPI à observer tous les jours. Après, je sais, mais le marché va changer. Oui, mais moi, je dois gérer aussi mon aujourd'hui. Donc, je n'ai pas le temps de travailler sur les problématiques de demain. Exactement. Dans une logique exactement. D'effectuation entrepreneuriale, alors, tu n'as de maîtrise que sur aujourd'hui. Que sur aujourd'hui. Donc, comment je fais pour parler je suis conscient. Alors déjà, bon, je suis conscient est un mot aussi important, parce que tout le monde n'est pas conscient que demain est différent. Hein, mais bon, disons que tout le monde est conscient, partons de cette hypothèse, tout le monde sait que demain est différent. Techniquement, c'est difficile de travailler sur l'avenir alors qu'on est pris dans le présent. C'est vrai. Oui, et pris dans le présent veut dire qu'on est occupé, donc que notre temps est dédié à notre exploitation du day-to-day, que pour travailler sur l'avenir, ben, il faut faire preuve il faut passer du temps à faire de la veille, à regarder ce qui se passe, à s'informer, à être compétent, à observer. Et ça, on ne peut pas, sein de l'entreprise, on ne peut pas toujours le faire. Alors, en termes d'agilité, si tu te mets à faire du safe ou du agile ou du scrum, appelle comme tu veux. Si tu par exemple, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un sprint de relax, c'est-à-dire où on ne produit pas, mais on réfléchit. Et c'est dans ces moments où on fait de la veille, en fait. En fait, aujourd'hui, après, les problématiques, c'est pour ça que j'ai parlé de safe, c'est quand tu deviens un grand groupe, qu'il faut synchroniser entre plusieurs équipes à une grande échelle, ça devient beaucoup plus complexe. Mais pour une start-up, si tu respectes un temps de repos à un certain moment dans tes sprints, quand je dis un temps de repos, mais je t'attends le code, même si il lasme. Mais pourquoi pas? Oui, mais pendant que lui, on me lasme, t'as le code, tu viens. Mais un temps de repos de production, c'est-à-dire qu'on ne produit pas, on réfléchit. À ce moment-là, on est capable de faire de la veille, mais aussi on est capable d'être créatif, d'avoir de nouvelles idées. Et aussi, l'open innovation au niveau des petites startups, c'est aussi un moyen de consolider les relations humaines dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est un exutoire à un moment donné. Donc, il ne faut pas que c'est tout de suite aussi un objectif business, hein, parce que normalement, tu as ton corps de métier aujourd'hui et maintenant. Tu as testé au monde, mais tu as testé au monde.
C'est ça, c'est dans l'entrepreneuriat, donc c'est l'incertain, c'est pas le risque, c'est l'incertain. Et du coup, tu es en train de tester et tu vis des problèmes et tu vois ce que tu vas essayer d'apporter comme solution. Oui, mais tu alors, sais pourquoi tu es en train de le tester, c'est ce que je veux dire aussi. Et parce c'est, qu'il y a un problème. C'est amont. Qu'il y a un problème quelque part. Tu es en train de chercher une solution pour quelque chose. Moi, je fais de la pub à mon nouveau mot, c'est observider. Il faut observider, observer, avoir des idées, tout simplement. Et à partir de là, tu as un risque d'être innovant. Et si on pouvait faire de l'observidée ensemble? Observidon, voilà. Donc voilà. Alors, ne juste pas confondre avec observidon. Non, voilà, exactement. Mais même l'observidon, c'est un observatoire. Un observatoire. C'est pas un suppositoire. Alors, juste la dernière question que je voulais poser à Nora. Par exemple, chez Engie, maintenant, donc il y a des démarches d'open innovation, on est d'accord. Et au final, ça a commencé, ça fait longtemps, juste comme ça. Ça fait, je pense qu'ils ont 6-7 ans. 6-7 ans, ok, très bien. Ils étaient précurseurs dans ce domaine-là. Ok, et est-ce qu'il y a eu des success stories? Ah oui, bien sûr. En fait, il y a dans tous les sujets qui ont intégré l'équipe innovation, en intrapreneuriat par exemple, des salariés, il y en a qui sont devenus des départements avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a qui sont devenus des filiales avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a qu'on a vendu, par exemple sur la blockchain, il y a une entité qui aidait à designer des sujets autour de la blockchain, donc c'est devenu maintenant une filiale dans laquelle Engie est minoritaire parce que c'est très technique, c'est pas de l'énergie. Et elle vit sa vie, elle se développe. Par cet exemple, c'est très important parce qu'en parlant d'open innovation, il faut que les entreprises acceptent, quand elles lancent une démarche d'open innovation, que certains sujets n'ont rien à voir avec leur cœur métier. On fait appel à des skills, c'est-à-dire les disponibilités de compétences dans l'entreprise et de moyens, mais pas forcément du corps du métier en lui-même. Donc il faut intégrer cette logique. Et en fait, moi je parle d'Engie, je ne représente pas aujourd'hui. Je parle de mon expérience aussi. Exactement. Ouais. Et en fait, Engie l'a fait, c'est très difficile. Ouais. Hein. Il faut que l'innovation soit portée par le patron de l'entreprise. Parce que pour créer un fonds d'investissement, il faut que le patron soit d'accord pour mettre de l'argent. Et les actionnaires. Mais le patron, directeur général, il peut convaincre. C'est son boulot de convaincre les actionnaires. Et donc, Engie a réussi à le faire parce qu'elle avait une patronne qui est toujours là d'ailleurs, qui est convaincue de ça. Mais Orange l'a fait aussi. Moi, j'ai vu Orange sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les télécoms. Même dans l'énergie. Alors, je te coupe, mais en France, moi, à chaque fois, je le dis très souvent, mais je suis étonné à chaque Vivatech, c'est La Poste. La Poste, exactement. Impressionnant. La Poste, exactement, mais parce qu'elle doit aussi se rénover. Elle passe d'une entreprise publique à une entreprise privée. Elle rentre dans un marché concurrentiel. SNCF va venir aussi. D'ailleurs, on a les grèves en ce moment. Cash Transport. Et donc, l'entreprise, elle le fait par dépit parce qu'elle doit se transformer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'elle voit... Il faut aussi se dire que l'entreprise cherche aussi des idées business. Elle veut gagner de l'argent. Ah, complètement normal. Et donc, on peut réussir. On a eu des échecs aussi. J'en connais. Des échecs, et tu parlais tout à l'heure du salarié, dont les collaborateurs l'ont très mal vécu. Parce qu'à un moment donné, après, ils réintègrent l'entreprise sur un boulot qui est moins attractif qu'un entrepreneur. Ils pêchaient le psy d'abord. Exactement. Non, mais c'est très important d'en parler parce qu'on souffre. On n'y pense pas au début. Exactement. Et alors, juste pour maintenant Watch sur ce sujet, donc puisqu'au final, il y a eu des success stories, donc ça fonctionne. Hein. Alors, je ne sais pas à quelle échelle, mais ça a fonctionné pour cette entreprise. Exactement. Alors, quand ils l'ont initié, est-ce que je ne sais pas si tu as l'info, en termes de use case, quand ils ont initié, au bout de quel. Au bout de combien d'années il y a eu les premiers revenus? Ouais. En fait, déjà, quand tu fais de l'innovation, quand tu crées un nouveau business dans l'entreprise, dans un grand groupe, tu as le réseau commercial dans le grand groupe. Tu l'utilises. Donc, tu as un accès marché plus facile que la force une start-up. De frappe. Ouais. Exactement. Et après, il faut convaincre les pays. Par exemple, si tu es Engie en France, tu veux vendre quelque chose en Algérie, il faut qu'Engie Algérie accepte de le faire. Voilà, donc, c'est un peu plus complexe qu'on peut l'imaginer, mais ça y a une facilité. Après, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est exactement ce que vit une start-up. Quand on commence à une idée, c'est jamais la même qui réussit à la fin. Donc, elle évolue, ça devient autre chose. C'est pas parfois, c'est même pas les premiers fondateurs. Parce qu'il y en a qui lâchent, il y en a qui ont envie de revenir vers le business. Ils disent finalement, moi, entrepreneur, c'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Donc voilà, il y a des évolutions qui se font. Alors, ce qu'on essaye de faire au bout de 2 ans, il faut démontrer qu'il y a... En fait, ce qu'il faut démontrer dans un grand groupe, c'est que tu as un client ou deux qui ont acheté. Tu passes au POC, ouais. Voilà. Exactement. Et après, si on voit que ça marche, ça match,
Bah après, là, le grand groupe, il peut intervenir pour accélérer bon, avec ses équipes. Du fric, et puis le process, ouais. Il est là pour industrialiser. Ouais. Au bout de deux, pour moi, au bout de deux ans, il faut que tu aies signé avec un ou deux clients. Sinon, j'ai des exemples cette année. Un exemple que j'ai accompagné de start-up interne. En entrepreneuriat, une dans la blockchain, une dans le bâtiment, le bâtiment efficient énergétiquement. Et donc, les deux, elles ont commencé par 0 euro. Et au bout de 18 mois, elles ont fait 300 kilos euros. Donc, ce qui est très, très, très bien hein, pour, parce qu'ils sont sur un marché mature. La blockchain dans l'énergie, c'est un peu mature dans certains pays. Voilà. Donc, c'est excellent pour eux. Mais est-ce que c'est suffisant pour le grand groupe? Point d'interrogation. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est suffisant? Mais pour la start-up, c'est génial. Pour les gens qui ont développé ça, c'est génial. Alors, je pense qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'il y a d'autres questions qui viennent, hein, forcément, parce que ça, c'est des sujets sur lesquels on parle avec qui sont dans des groupes qui aussi font des choses comme ça. Il y a une question qu'on se pose à chaque fois, c'est la propriété intellectuelle. Parce que tu imagines bien que je commence à développer le truc chez toi dans tes murs, avec tes moyens, tes compétences, blablabla. Et à la fin, c'est qui le propriétaire de tout ça? Ben c'est exactement quand tu es un chercheur et que tu développes un brevet au sein d'un grand groupe, c'est la propriété de qui? Ça, en général, c'est le nom du chercheur qui restera à vie, mais c'est la propriété d'un grand groupe. C'est-à-dire que, par exemple, un salarié qui commence à, par exemple, le projet de blockchain, par exemple, si pour l'entreprise, 300K, c'est rien du tout, et que ça ne veut pas prendre au-dessus des 500 000, et que l'entreprise décide de dire « bon, bah, ça ne m'intéresse plus », est-ce que la personne peut, elle, continuer sur ce projet? L'excubation. On lui propose de prendre d'autres risques. Ouais. Donc, on va lui dire soit on ferme. Et si tu as envie de rester, est-ce que toi, tu es motivé? Est-ce que voilà, tu as la hargne pour motiver? On essaie de trouver d'autres investisseurs. On te met en filiale extérieure avec une minorité. Tu prendras des parts aussi à négocier. Tout se négocie. Et après, si l'entreprise se sent bien, Engie sort. En général, quand c'est pas son business, Engie le fait en tant qu'entreprise et non pas en tant que venture capital ou un truc comme ça. Elle le fait à travers son venture capital. Ok, ok. Voilà, après, il faut une forme. Il faut une forme économique pour la société juridique, exactement. All right. Mais toute la prise de conscience, je veux dire, la chose la plus importante finalement, c'est de se dire. Il faut innover. Soyez-en certains, messieurs, dames, messieurs les chefs d'entreprise, messieurs les chefs des grands groupes ou autres, même messieurs les dirigeants, le gouvernement, monsieur le président, il faut innover. Exactement. Il faut arrêter de faire de la même manière dont on faisait parce que, sous prétexte qu'on a toujours fait ça comme ça. Ça, ce n'est pas. Il faut tester innover. Et pas avoir peur de l'échec. Exactement. Un deuxième point super important que moi j'ai eu à vivre dans ma carrière depuis que je travaille sur l'innovation, il faut innover. Et c'est l'humain qui innove, c'est le collaborateur, c'est jamais l'idée. Et donc même au sein d'un grand groupe, c'est la personne qui fait. Et donc quand on demande à nos jeunes de créer des startups, c'est grâce à eux que ce business va devenir rentable. L'innovation fera, bien entendu. Exactement, c'est l'humain. Pour moi, c'est le point. C'est grâce à l'humain qu'on va faire les quelques millions d'euros. J'espère pour vous et pour nous tous. Startup, exactement. Et l'idée de l'open, j'insiste sur ça parce que c'est d'une évidence. L'idée de l'open, c'est s'ouvrir, c'est démultiplier les chances de... Exactement. L'intelligence collective. Ah, complètement. Oui, complètement. Alors, parce que c'est moi, du mal à deux fois le bébé. Donc, alors, juste encore une fois, merci Nora. Merci pense que c'est un sujet assez lourd, donc on peut en parler très, très longuement. Mais si tu te. Alors, sur le plan psychologique, comment tu vis en quelques mots, comment il faudrait qu'on termine sur ce sujet, à ton avis? En quelques mots, comment clôturer? En innovant, s'il te plaît. Hein, parce que... En innovant. Moi, je pense que la meilleure chose, comment on peut terminer? Enfin, j'aimerais bien voir, je pense, je peux parler de l'Algérie. Oui, bien sûr. C'est mon cœur et c'est pour ça que je suis là. Moi, je pense qu'en Algérie, on a énormément d'initiatives, des startups, des incubateurs privés, l'État s'y met, on peut d'accord, pas d'accord, on va voir. Mais je pense que les entreprises ont un devoir à faire de l'open innovation pour l'économie du pays. Et j'aimerais voir les entreprises prendre des parts dans des startups pour faire de l'open innovation en ouvrant leur... Pas en ouvrant leur incubateur, en venant dans des incubateurs privés. Si bien, par exemple, bien sûr, ça peut être une étape. Ça peut prendre plusieurs formes, comme tu dis, créer d'abord leur labo, faire des appels à projets, simplement dire, allez, manifestez-vous, start-up, j'ai une problématique et je voudrais traiter cette problématique. C'est exactement ça. Quand je dis start-up, pas spécialement start-up, chercheur. Allez, Leandro Ficala.
Exactement. يقدر يعاوني باش نحل هذاك الموضوع المشكله هذيك مرحبا يرحب سي سي سا اتر اوبن سي سا بارتي اوبن. On veut tous construire l'Algérie. D'ailleurs, on avait parlé, souviens-toi de ta facture. Karine a reçu une facture électricité et gaz de 480 000 dinars. Mais justement, alors, à l'époque, nous parlions de fait que Sonelgaz devrait d'abord ne jamais éditer cette facture parce que c'est une anomalie, c'est un satellite dans son analyse statistique. Exactement. Si elle le fait, si elle le fait pas, c'est peut-être opportun de lancer des projets en open innovation, de faire des appels à manifestation auprès d'intérêt auprès pour gérer d'entreprises pour se dire, allez, on a besoin de travailler sur du big data de Sonelgaz. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, start-up? Et une des choses, ça serait ça. Exactement. Deux choses. Oui. En fait, on parle beaucoup des GAFA et des BATEX. BATEX, c'est les Baidu, Alibaba, les Chinois. Chacun créer ses plateformes et tout. Ouais. Vous savez, en Europe, comme on dit en Allemagne et tout, comment les grands groupes industriels font face à ces GAFA et BATEX, ils disent, mais allez, ils ont développé le web, maintenant on a la data industrielle. Mm-hmm. Et les plateformes ne sont pas encore là. Vous imaginez, c'est exactement la même chose en Algérie. Ouais. Donc, on doit créer c'est quand même à l'industrie. On a quelques... On a des choses à faire. On a des choses à faire. Et ça veut dire que personne n'a encore occupé le terrain. Complètement. Et on a une chance pour occuper ce terrain en Algérie. Oui. Faisons-le avec nos startups. Inch'Allah. Alors... toi, entreprise, si tu m'écoutes. Oui, j'étais arabe. C'est pas la bonne caméra. Oui, là, tes compétences. Allez, c'est pas grave. Donc, sur ce, donc, alors, d'habitude, je pose toujours la question à nos invités algérois pendant les bouchons, qu'est-ce qu'ils font? Alors, toi, t'es de passager. Ouais, les bouchons, ça va. C'était terrible. Apparemment, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Alors, où je dirais que tu connais les bouchons, enfin, j'ai que tu connais ça, ok. Bien sûr, j'adore être impactée et suivre les meilleurs modèles qui réussissent. En ce moment, je lis, peut-être c'est banal, mais je lis Michelle Obama, la femme de président. Mmh. Pourquoi? Parce que j'ai envie de... Parce que on la voit, on voit qu'elle fait beaucoup de choses. Et j'ai envie de comprendre comment elle a fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de sa vie. Tu es aussi très impliquée dans le monde woman, empowering woman. C'est un sujet, on le fera? Un sujet de cœur. On le fera avec plaisir. All right. So, my friend, it was a very nice and wonderful time with our friend Nora here with Pat Logan here. There's somewhere where I don't know where is Pat Logan. Pat Logan, you are so small and so quiet and so cute that we can't even see you. So it was nice today in 2KLY with our best and nice guest, Nora Guémard. And another thing. Yeah. Griwesh. Merci. Griwesh. Shoot, don't speak about the Griwesh. Il y a des Griwesh. This is why Karim Anna, ma femme, toi, de Wesh Gelkarim. Allez, comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que je m'ai dit de trop là? C'était 2K Airway. الموسيقى اللي بدينا بها إمرهان جروب تاع دي جون في تمر راست توب كوم دابيتود لقاو اللين تحت شويه ثقافه شويه موسيقى شويه خلويتو. Exactement, c'était 2K Airway avec Karim Brouri, Karim Mbemola et notre super invité Nora Guémard. Open Innovation. C'était bien. Tous les jours. Innover tous les jours. Partager tous les jours. Ciao. Allez, merci. Au revoir.
Ciao. 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 Fais-je tôt. Autrefois, pas le gain, toi.